Et salut tout le monde, c'est Sorti 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Tennis Aces. Nous revoilà sur ce jeu parce que, comme vous le savez, à chaque mois de l'année a son nouveau personnage. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, ce qui signifie l'arrivée d'un nouveau personnage sur le jeu parce que c'est le mois de décembre. Voilà, c'est le mois qui apporte un nouveau personnage, comme je vous l'ai dit. Du coup, nous allons appuyer sur L et R et vous allez voir que c'est mon personnage préféré qu'on va incarner aujourd'hui. Enfin, qu'on va débloquer plutôt. Alors, vous pouvez maintenant jouer en double dans le mode tournoi en ligne et les modifications suivantes ont été apportées. Passage à des tours de 3 matchs, d'accord? Les joueurs de niveau similaire joueront ensemble, modification de la durée de jeu et changement relatif au cours. Alors, comme vous pouvez le voir, vous voyez à gauche les deux nouveaux personnages qu'on pourra incarner. Un nouveau défi en coopération est arrivé, atteignez les objectifs fixés au cours des événements temporaires pour obtenir des costumes et des couleurs pour vos personnages. Alors ça c'est... Du coup c'est le mode qu'on avait avec le roi Boo justement, où on devait éclater les bouts. Et bien là on a un tout nouveau mode avec Yoshi, enfin avec des anneaux, et on pourra débloquer des nouvelles couleurs pour Yoshi. À la base, quand on avait le mode du coup dans le manoir, c'était pour avoir des nouvelles formes de boue, des nouveaux accessoires, etc. On avait de nouvelles casquettes et tout. Et là, du coup, eh bien, on a des nouvelles couleurs de Yoshi. Et du coup, là, on pourra rejouer à ce mode défi en coopération avec les boues, mais je sais pas, j'ai pas trop lu. Alors, du coup, comme vous le voyez, défi en coopération. Alors, par contre, ça n'a pas bougé. Alors, non. non, je ne veux pas être... Enfin, je ne veux pas jouer à 4, hein. De toute façon, je ne suis pas... Enfin, on n'est pas assez. Enfin, je suis tout seul, de toute façon, aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas jouer à 4. Mais par contre, je voulais juste voir les nouveaux persos qu'on débloque. Les Yoshi sont les héros de défi anneaux haut en couleur. Coopérer pour faire passer la balle dans les anneaux et accumuler un maximum de points. D'accord, ok, très bien. Accumulez assez de points pour atteindre l'objectif et vous obtiendrez de nouvelles couleurs pour Yoshi à utiliser en jeu libre ou en tournoi. Très bien. Envoyez la balle dans un anneau de la même couleur que votre Yoshi pour remplir un peu la jauge de frénésie. La frénésie est une belle occasion d'engranger des points. D'accord, ok, très bien. Et du coup, alors, 20 000 points pour débloquer le Yoshi bleu, 50 000 points pour débloquer le Yoshi rouge, et après, nous avons 80 000 points pour le Yoshi jaune. Très bien. D'accord. Ok, c'est cool, mais ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord débloquer le nouveau personnage. Alors, nous allons aller dans le tournoi. Oh, ils ont même changé la petite icône, c'est drôle. Parce qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Ils ont mis un nouveau fond d'écran. Ok, du coup, tournoi en ligne... J'accepte, et oui, puisque nous sommes sur le tournoi de décembre en ce moment, et vu que Nintendo a ajouté un nouveau mode de jeu, et bien dans ce mois de décembre, on va pouvoir débloquer deux nouveaux personnages, et oui, pas un, deux nouveaux personnages. Alors comme vous le voyez dans le tournoi classique et normal, on va débloquer Flora Piranha, et dans le tournoi double, on va débloquer Maskass, voilà. Très bien, donc voilà, c'est le bonus de décembre. Ce boss titanesque a décidé de sortir du bois pour rentrer sur le cours. Elle ne fait pas dans la demi-mesure. Son service sera soit parfait, soit faible. D'accord, ok, très bien. Et là, contre toute attente, Maskass a un talent indéniable pour renvoyer des balles très précises qui frôlent la ligne. Même s'il tombe souvent, il se relèvera toujours. Très bien, d'accord. Du coup, on va débloquer Flora Piranha aujourd'hui. Et quoi ? Vous avez vu tout ça? Attendez. Ils ont changé totalement la disposition des personnages là dans l'option pour choisir un personnage. Regardez. Donc là, on a donc Flora Piranha et Maskass. Ici, ils nous ont montré les deux personnages qu'on allait avoir ici. Ce sera du coup Luma et Boom Boom. Après, nous avons Pauline, et oui, parce que Nintendo a fait récemment un nouveau trailer avec trois nouveaux personnages pour Mario Tennis Aces, donc Pauline sera de la partie, je suis très content. Luma qui revient de Mario Tennis sur 3DS, et Boom Boom qu'on avait vu dans le mode solo, donc c'est pas une surprise. Après, qu'est-ce qui nous restera? Il nous restera Skelerex, il nous restera Kamek à avoir, et après ce sera que des nouveaux personnages. Donc, en fait, je pense qu'ils veulent remettre tous les anciens personnages de tous les Mario Tennis, parce que regardez, ils ont mis Flora Piranha, ils ont mis Paratroopa, ils ont remis Diddy Kong, ils ont ajouté Koopa. Il y a beaucoup de nouveaux personnages, mais en fait, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'ils veulent remettre des anciens personnages, tous les anciens personnages du jeu. Donc, on pourrait s'attendre, pardon, à, par exemple, Helico Maskass. Et oui, parce que il y a Helico Maskass aussi. On pourrait s'attendre à Wiggler. On pourrait s'attendre aussi
Ah, eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait dans Smash 3... Enfin, Mario Tennis 3DS. J'allais dire Smash 3DS, c'est pas du tout le cas. Il y avait Bébé Mario, Bébé Peach aussi. Il y a beaucoup de nouveaux personnages, pardon, qu'ils n'ont pas ajoutés. Et j'attends vraiment de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. On pourrait même avoir Capi, vu qu'ils décident de mettre Pauline. Pourquoi pas mettre Capi? Je sais pas, mais en tout cas, je suis vraiment très content de ce qu'ils ajoutent. Alors, on va prendre... Eh bien, vous savez quoi? Non, on va pas prendre Boo avec ses différentes casquettes. On va prendre... Allez, tiens, Paratroopa, parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait perdu dans le tournoi. Et j'avais fait une prestation assez pitoyable avec Koopa. Enfin, avec Paratroopa, plutôt. Et du coup, là, je veux retenter ma chance, avec ce nouveau personnage. En tout cas, je suis très content de débloquer Flora Piranha. C'est un de mes personnages préférés. Flora Piranha, qui était d'ailleurs jouable, comme je vous l'ai dit, dans le Mario Tennis sur la Wii et sur GameCube aussi, vu que c'est un portage. À la base, c'était Mario Tennis sur GameCube, mais il a été porté sur Wii, etc. Et du coup, là, je suis vraiment content de son retour dans ce Mario Tennis. Ça va être mon main. Et oui, ça va être mon main. Ça va être le personnage que je vais adorer jouer. Du coup, on est tombé sur un Bowser. Callum. D'accord, il s'appelle Callum. Oh, ils ont ajouté... Ah, mais attendez, ils ont ajouté des nouveaux terrains, non? Ben attendez, parce que ce terrain là, il me semble qu'il n'était absolument pas dans le tournoi, enfin dans les tournois. Mince, oh purée, je fais n'importe quoi. Attendez, mais oui, c'est nouveau ça. Parce que attendez, il me semble pas que avant on pouvait faire un match sur ce genre de terrain. Et oui, on avait que les terrains de base du jeu, mais là du coup, ils ont mis de nouveaux terrains, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait les événements. Parce que vous savez, sur ce terrain, c'est le terrain de la neige. Des fois, il y a une foule de mascasses qui viennent nous saouler, là. Mais là, du coup, j'ai pas du tout cette impression. Ah, c'est vraiment super. Bon, par contre, je suis en train de défoncer le Callum, là. Voilà. J'ai bientôt mon coup spécial, en plus, de charger. Voilà. Alors, comme vous le savez, Paratroopa, c'est le personnage... super fort pour les lobes. Voilà, c'est un personnage technique, il me semble. Et du coup, il est vraiment très fort pour les lobes. D'ailleurs, en parlant des nouveaux personnages que Nintendo a révélés récemment, Pauline sera de type vitesse. Luma sera de type technique. Et Boom Boom sera de type défense. Voilà. Je pensais qu'il serait de type puissance, vu la largeur de ses bras. Mais pas du tout, en fait. Il sera de type défense. Donc, un nouveau personnage de type défense. C'est cool. Voilà. Allez. Oh purée. Il m'énerve le Callum là. Allez, allez, allez. Allez, allez. Super. Le jeu est pour moi. Magnifique. On joue vraiment bien là. On joue vraiment bien. C'est cool. Alors le service pour Callum. Très bien. Allez, c'est parti. Hop. Et maintenant c'est parti pour mon coup spécial les amis. Avec les autres Koopa. Paratroopa en formation. Hop. Voilà. Allez, allez, allez. Super. Comme ça, j'ai enlevé toute sa jauge. Et oui, parce que là, il a utilisé le ralenti. Et du coup, quand il fait le ralenti, eh bien, il perd de la jauge. Hop, magnifique. Voilà. J'aime bien les frappes techniques de Paratroopa. Je les trouve super. C'est pas les meilleures, mais elles sont cool. Moi, je les aime bien. Allez. 1, 2, super. Attendez, on va gagner, les amis. On va gagner. On va débloquer Flora Piranha de façon très réglo. Parce que vous savez que pour débloquer Paratroopa, j'allais dire, pas du tout. Pour débloquer Flora Piranha, il faut pas forcément gagner le match. En fait, il faut juste participer au tournoi. Allez. Oh là, c'est pas vrai. Hop. Allez, Callum. Magnifique. C'est bon, les amis. On a gagné. Super. Callum n'a pas réussi à récupérer la balle, mais bon. Ok, très bien. J'ai accumulé 19 000 d'énergie. Oh là, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont... Ah ouais, ils ont ajouté plein de trucs, attendez. Vous avez vu, ils ont ajouté une espèce de jauge pour augmenter le rang. C'est cool. Vous pouvez maintenant jouer avec Flora Piranha en cadeau pour avoir participé au tournoi en ligne. Alors, c'est un personnage assez particulier, Flora Piranha, parce que déjà, c'est un gros personnage qui faisait office de boss dans le mode aventure. Et là, en fait, c'est complètement... un personnage, enfin ça va être un personnage qui, donc très gros comme je vous l'ai dit, mais elle n'a pas de raquette. Du coup je ne sais pas comment, enfin qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, parce qu'elle n'a pas de raquette, du coup quand les raquettes se cassent, qu'est-ce qui va se passer avec Flora Piranha, je ne sais pas. Alors du coup attendez, on va faire un petit match, voilà, avec Flora Piranha. Alors hop, voilà,
Voilà, on enlève tous les autres terrains parce qu'ils sont relous. On va prendre le terrain gazon parce que ça lui va bien en plus à Flora Piranha. Alors, voilà, du coup, elle est juste ici. Voilà, donc Flora Piranha de type puissance. Donc, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de raquette. Et son artwork, il me semble que c'est un artwork qui était déjà existant. C'est pas un nouvel artwork. C'est un artwork de Mario Party, il me semble, de Mario Party Star Rush, un truc comme ça. Ok, un combat contre Wario, d'accord, donc deux types puissance. Ok, c'est parti. Elle est classe cette petite Flora Piranha, mon personnage préféré. Ah là là. Je suis vraiment super content de pouvoir enfin la jouer parce que je pensais que Flora Piranha, en fait, ça allait être un personnage qu'on allait pouvoir avoir au mois de janvier. Parce que vous savez, avant, il faisait donc chaque mois un nouveau perso. Et du coup, là, pas du tout. C'est deux personnages en un mois. Donc c'est cool. Je suis vraiment super content. Alors voilà, c'est ce qu'il nous disait. Hein, c'est-à-dire que le service sera soit très faible, soit très fort. Du coup, il va falloir apprendre, eh bien, là, comment ça s'appelle, le timing. Pourquoi c'est pas féminin, le timing, c'est masculin, le timing. Voilà, donc il va falloir apprendre le timing. Je vais vous montrer tout de suite son coup spécial, comme ça on est fixé. Oh bah d'accord, ok, merci Wario. Par contre, elle envoie des patates, hein. Elle envoie des grosses patates. Et oui, je ne sais pas du tout c'est quoi son timing à elle. On va bien voir, attendez. Alors du coup, voilà, en plus ça reprend un petit peu sa mécanique dans le mode solo, c'est-à-dire qu'elle fait des tornades et tout. Non, elle est vraiment cool, elle est vraiment cool. En plus elle se moque, elle se fout de la gueule du personnage adverse. Ok, ah non, on peut faire des services jolis aussi. D'accord, on peut faire des services jolis, très bien. Ok, Wario, je vais vous montrer ses frappes techniques juste après, comme ça je vous montre un petit peu toutes les animations du personnage. Hop, voilà. Ok, d'accord, donc je vous ai montré sa moquerie. Allez. D'accord, donc elle vole et après elle fait un petit tour sur elle-même. D'accord, ok, ça c'est pour la frappe technique. Pour la frappe technique en avant. D'accord, un peu trop tôt. Je ne sais pas du tout comment je fais son service parfait à Flora Piranha. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas grave, on a le point, très bien. Le jeu est à nous. Alors je vais vous montrer, hop, voilà, du coup ça fait un amorti, et après elle danse, d'accord, ok, elle fait une petite danse vers la droite ou vers la gauche, d'accord. Non, c'était juste vraiment pour vous montrer les animations, voilà. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal en même temps, c'est le matin, hein, je me suis empressé de faire cette vidéo parce que je savais qu'on était le 1er décembre, et qu'il allait y avoir un nouveau personnage sur Mario Tennis, et du coup je suis vraiment super content. Alors juste après ce match, on ira voir un petit peu les défis en coopération. Dans une prochaine vidéo, on ira débloquer Maskass, et oui, parce que je compte débloquer Maskass avec vous, comme je l'ai toujours fait pour tous les personnages de Mario Tennis, hein, de toute façon. Et après, eh bien, on fera une autre vidéo dans le même mois, pour le mode défi en coopération, parce que je veux vraiment réserver un épisode entier pour ce mode de jeu et débloquer toutes les couleurs du Yoshi. Voilà, ça sera cool. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Allez, allez, allez. Tac, interception. Hop. Et voilà. C'est bon. Tu es mort, Wario. Voilà, jeu, c'était match. Flora Piranha. Elle est cool, elle est cool, moi je l'adore. N'hésitez pas d'ailleurs à dire quel est votre personnage préféré de ce Mario Tennis Aces. En tout cas, le jeu, il est de mieux en mieux, je trouve. Chaque nouveau personnage qu'ils ajoutent dans le jeu apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Donc là, Flora Piranha et Maskass ont apporté le nouveau mode défi en coopération. Ils ont aussi ajouté le mode tournoi en duo. Du coup, ça c'est vraiment sympa. Mais vraiment, ils ajoutent pas mal de choses ces temps-ci. Donc vraiment très bien, très bon point pour Mario Tennis. Et surtout que c'est gratuit. Et oui, c'est gratuit, n'oubliez pas que c'est gratuit. Ce ne sont pas des DLC, ce sont des mises à jour. Donc voilà, le prochain tournoi est dans 40 jours. Voilà, vous pouvez à présent faire le décompte. Et on est parti du coup pour jouer dans ce nouveau mode défi en coopération. Allez, chercher des partenaires, c'est parti. Je ne sais vraiment pas comment va se dérouler ce nouveau mode. Je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Alors par contre, les gens ont des connexions pourries. C'est pas de ma faute, là. Ok.
Veuillez patienter. Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez chercher des partenaires. Y'a personne en ce moment sur Mario Tennis ou comment ça se passe? Non, je pense qu'il y a des gens, mais c'est juste que il faut en trouver trois quoi. Et surtout que Mario Tennis, c'est pas non plus un jeu réputé pour son online, hein, on va pas se cacher. Voilà, donc Linkling est juste là. J'ai trouvé enfin un allié avec une bonne connexion. Aïe, la connexion semble instable. Non ! Ah voilà, elle se rétablit un petit peu. S'il te plaît le jeu. S'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Laisse-nous jouer. Alors le jeu a trouvé de nouveaux adversaires. Il y a pas mal de gens avec une bonne connexion. Du coup, eh bien voilà, c'est parti. Alors je pense qu'on fera juste un petit match hein, sur ce nouveau mode. Alors je suis qui? Moi je suis Yoshi vert. Ah d'accord, donc on va pouvoir jouer qu'avec les Yoshi. D'accord, c'était pas comme ça dans l'ancien mode avec les bouts. On pouvait choisir le personnage qu'on voulait. Alors, comment il faut que je fasse? Ok, donc c'est des balles, c'est une espèce de grosse balle. Frappe sur un joueur. Non mais par contre les gars, il va falloir réussir hein. Non mais, ah non, par contre non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer les gars hein. Voilà, attendez. Ah non, ok, chaque joueur a un anneau attitré. Ah voilà, regardez, le Yoshi rouge devra taper dans les anneaux rouges. Moi je devrais taper dans les anneaux verts. Et si le bon joueur tape dans les bons anneaux, eh bien ça fait, ça multiplie les points. Voilà, ça multiplie les points. Oh là là, c'est quoi cette connexion pourrie là? Vous êtes sérieux les mecs? Oh non, c'est horrible. Vous êtes sérieux? Bah voilà, une erreur de communication est arrivée. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que j'ai gagné des points? Je crois pas, hein. De toute façon, c'est pas grave. On ira faire un épisode entier, de toute façon, sur ce mode. Donc, vous inquiétez pas. Allez, on va continuer, vous savez quoi, notre tournoi. On va recommencer. On va prendre Flora Piranha, voilà. Et ça sera notre dernier match pour cette vidéo, voilà. J'aime bien faire des vidéos assez courtes sur Mario Tennis Aces, surtout quand je veux vous présenter un nouveau personnage. C'est pas non plus une grande fonctionnalité hein, de vous présenter un nouveau personnage, mais c'est quand même cool. Et pour une vidéo de 20 minutes, je pense que ça passe. Ah, je tombe contre un Luigi. Et là, la connexion, elle est nickel. Hein. Mais non, mais pourquoi la connexion, elle est instable comme ça après? Non mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Hein. Et pourtant, j'ai aucun problème avec ma connexion. Hein. Je vous assure. Alors je suis tombé avec Cecio Shadow là. Voilà, Cecio Show. Ok, allez, tant que c'est pas moi qui commence... Oula. Ok, tant que c'est pas moi qui commence les... Oh, j'ai explosé le bonhomme de neige. Oui, mais tant que c'est pas moi qui commence les services, c'est très bien. J'ai explosé les deux bonhommes de neige, j'ai pas fait exprès. Je suis désolé les petits Toads. Ils ont construit des bonhommes de neige, je les ai éclatés. Allez, super. Amorti gagnant. Elle se fout de la gueule de l'adversaire, Flora Piranha, elle est trop drôle. Allez. Hop. What? Vous avez vu? Comment je l'ai dégagé? Ah ouais, pousse bien, Flora Piranha. Oula, qu'est-ce que... Il y avait un problème au niveau de ses pétales. Ses pétales autour de sa tête. C'est moi ou il y a... Attendez, il y a un problème au niveau de ses pétales autour de sa tête. Genre, il y a des trucs noirs des fois qui apparaissent. C'est quoi? C'est de la neige? Ah bah voilà, ok, nickel. Mais ouais, mais attendez. Ah non, c'est des ombres. Oh, c'est mal fait en tout cas. Hein. Oula, c'est mal fait. Hein. Ok. Oula, toi, t'as voulu me faire un smash, un ultra smash. Bah tiens, attends, je vais te faire un super, une super frappe instinct. Tu vas rien comprendre. Bam. Voilà, tiens, trop tôt. Super. Ok, le jeu est pour moi. Mais alors, attendez. Là, c'est à moi de faire le comment ça s'appelle? Le service. Mais alors, je vais essayer de faire un bon service pour une fois. Hop, voilà, une frappe instinct, c'est cool. Alors voilà, en fait, je pense que avec Flora Piranha, il va falloir spammer les frappes instinct pour les services. Parce que, en fait, le problème du personnage, c'est que soit elle fait des services super bien, soit elle fait des services très nuls. Du coup, en fait, je pense que les frappes instinct, ça sera quelque chose de bien à faire. Ok, mais qu'est-ce qu'il attend pour faire son coup spécial, l'autre? Voilà. Ok, d'accord. Magnifique. Allez, on va attendre qu'il revienne. Super. J'adore l'animation du coup spécial. Hein. Allez, viens. Voilà, comme ça, il utilise sa jauge. Oh non!
Oh, c'est pas vrai, quelle frappe. Ouais, mais j'ai pas eu le temps là. Hop, un peu trop tard. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment exigeants hein, sur ces services. Allez, j'ai l'impression qu'il ne sait pas faire de lob. Voilà. Hop. Ouais, il sait pas faire de lob, je crois, mon adversaire. Du coup, je vais rester au filet. Voilà. Mais non, pourtant, il sait faire des amortis. Non, mais ça, je comprends pas. Il y a des gens, ils savent faire les amortis, mais ils savent pas faire de lob. C'est super étrange. Joli. Voilà, j'ai fait un service joli. Ok. Allez. Encore une fois. Ok, d'accord. Le petit Luigi, là, il veut m'avoir, mais pas du tout. Tornade brutale. D'accord, c'est le nom de son coup spécial. Allez. Voilà, le forfait. Oh, une nouvelle animation pour le forfait. Ah, mais c'est cool. Ils ont vraiment changé pas mal de choses, hein. Flora Piranha, elle est contente. N'a plus de raquettes et n'a plus d'autre choix que de faire forfait, d'accord. Son magnifique coup spécial, j'adore. Alors, je suis rang C-, d'accord. Et quand je monte de niveau, plus 22. D'accord, ok, très bien. Donc, il va falloir que je fasse encore un match pour monter d'un rang, d'accord. Ok, super. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Mario Tennis Aces, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Comme je vous l'ai dit, on reviendra sur Mario Tennis Aces très prochainement pour débloquer le nouveau personnage Maskass. Et puis, on ira faire une troisième vidéo dans le même mois pour faire plus de défis en coopération et pour débloquer les couleurs de Yoshi. Voilà. Allez les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.